chemin de fer multi-usage situé dans la région de Boké. C'est une infrastructure ferroviaire qui relie la mine de Santo dans la préfecture de Télémélé, à Dapiron, dans Boké, avec une distance de 125 km. Les investissements nécessaires pour la réalisation de cette ligne ferroviaire avec 24 locomotives et 1440 wagons sont estimés à plus d'un milliard de dollars américains. Nombreuses sont les personnalités du pays et acteurs évoluant dans le secteur minier qui ont rallié ce mercredi 16 juin 2021 la sous-préfecture de Collabouni pour prendre part à la cérémonie de mise en service de ce chemin de fer du consortium SMB Winning sous la direction du président de la République, Postral Fakonde, arrivé à Dapilon sous les ovations de la population de Boké, fortement mobilisée. Une ambiance festive et pour marquer son passage à Dapilon, le président de la République a eu l'honneur d'apposer sa signature sur le tableau de ce grand projet qui fait aujourd'hui la fierté des Guinéens. Dans la même dynamique, le gouverneur de la région de Boké a mis l'occasion à profit pour manifester la joie non seulement des populations de sa circonscription, mais également de la Guinée pour la réalisation de ce chemin de fer. Avec un climat social désormais apaisé, des partenaires au développement toujours déterminés, des autorités locales fixées à leur mission et des populations mieux encadrées, nous traduirons tous ensemble votre vision en réalité, celle de faire de Boké la zone économique spéciale par excellence comme dans d'autres pays. Les responsables du consortium SMB Winning rassurent. Traversant les régions de Boké et de Kindia, cette voie ferrée a pour vocation initiale de relier les gisements de Santou 2 et Houda au terminal fluvial de Dapilon et au-delà, l'ensemble des communautés vivant le long du corridor. Première voie ferrée construite en Guinée depuis près de 50 ans, c'est un véritable exploit technique que les équipes du consortium ont réalisé en construisant cette voie ferrée de 125 km, dotée de nombreux tunnels, de ponts en un temps record. Après avoir construit deux ports fluviaux, de Katougouma et d'Apilon, et plusieurs routes binières dans la région de Boké, le consortium réaffirme son statut d'acteur majeur dans le secteur de la construction des infrastructures en Guinée. Et avec l'inauguration de ce chemin de fer, il va contribuer à élargir les capacités de transport des marchandises et des personnes telles qu'est prévues dans la politique de mutualisation du gouvernement. Merci. Je tiens à profiter de cette occasion pour exprimer mes sincères remerciements et mon respect distingué à tous les employés, à tous nos sous-traitants guinéens et à tous les partenaires ayant participé à la construction du chemin de fer Dapilon-Santou. C'est notre CRCC 14, CRCC 18, CRCC 21, Tien Tai Fong International, Dalian Hua Rui. La couloir appartient à vous tous. Je vous enfin remercier les communautés locales, les populations locales, les autorités locales, les Guinéens et la société guinéenne. C'est votre confiance, votre compréhension et votre soutien qui constituent une force indestructible pour la consortium de surmonter tous les obstacles et atteindre fixé. En plus de la réalisation de ce chemin de fer Santou d'Apilon, le consortium SMB Winning compte s'engager très rapidement dans d'autres projets, comme le souligne le ministre des Mines et de la Géologie. Excellence, Monsieur le Président de la République, à votre demande, le consortium Winning s'est engagé à réaliser un projet agricole couvrant une superficie approximative de 67 500 hectares le long du corridor du chemin de fer. Ce corridor agricole pourrait créer plusieurs milliers d'emplois avec environ 10 millions de dollars d'investissement. Par ailleurs, les partenaires de la SMB se sont engagés à réaliser dans les prochaines années la construction d'une raffinerie d'une capacité d'1 million de tonnes d'alumine par an.
Le coût de la construction de cette raffinerie est aujourd'hui estimé à $1 milliard. L'étude de faisabilité est en cours de finalisation. En gros, l'investissement total prévu pour toutes les composantes du projet mine, raffinerie, chemin de fer, agriculture est estimé à $3 milliards, le tout dans une dynamique favorable au développement de la zone économique spéciale de Boké. Outre le transport de la bauxite, ce chemin de fer contribuera sans nul doute au désenclavement de toute la zone traversée, sans compter son impact sur les revenus de l'État et des collectivités. C'est un projet intégré qui répond à l'ambition d'une pleine utilisation des opportunités du secteur minier, notamment celles offertes par les infrastructures, pour en faire un catalyseur pour le développement des autres secteurs de l'économie, notamment de l'agriculture et l'agro-industrie. Mesdames, Messieurs les gouverneurs, les préfets et sous-préfets, Messieurs les responsables de la société Winning SMB, sages femmes et jeunes de Dapilon, je suis venu ici le 29 mars 2019 pour poser la première pierre. Et nous sommes très fiers que la société Winning ait pu finir les travaux avant la date de 3 ans. Ils ont fait en deux ans, trois mois, nous devons les féliciter pour cela. Maintenant, je vais m'adresser au peuple de Guinée, pas seulement à nos frères et sœurs de Dapilon. Aujourd'hui, la Guinée est en paix. Le pays est tranquille. Quand vous allez à Conakry aujourd'hui, les hôtels sont pleins. Tous les jours, les investisseurs viennent. Pourquoi ? Parce qu'il y a la paix et il y a le calme. Rien ne vaut la paix et le calme pour qu'un pays se développe. Bien sûr, nous sommes heureux de coopérer avec nos partenaires, que ce soit multilatéraux ou bilatéraux. Mais vous devez savoir que la Guinée, pour se développer, nous devons compter d'abord sur nos propres forces. C'est nous qui pouvons développer notre pays. Nos partenaires peuvent nous aider. Mais c'est d'abord nous, notre courage, notre détermination à travailler, notre détermination à maintenir la paix et la tranquillité qui peut faire avancer ce pays. La Guinée a une histoire qui fait que nous sommes un peuple fier, fier de sa souveraineté, fier de décider de son avenir, pas d'attendre que quelqu'un d'autre nous dise « voilà ce que vous devez faire ». Mais ça ne plaît pas à tout le monde. Mais c'est notre destin et nous allons l'assumer. Tout le monde a pensé que la Guinée va exploser. Nous avons vu des gens casser les maisons, casser les poteaux, détruire avec l'aide de beaucoup de gens de l'extérieur. Ils ont pensé que la Guinée va exploser. Mais Dieu ne dort pas. Dieu ne dort pas. Nous avons fait 3 élections. Référendum, législatif, présidentiel, sans $1 de l'extérieur. Nous l'avons fait avec nos propres moyens. Ça veut dire que si les Guinéens sont déterminés, rien n'arrêtera la marche de la Guinée. Bien sûr, aujourd'hui, la vie est difficile. Personne ne pensait que cette maladie allait durer tant. Les conditions de vie des populations sont difficiles. Nous avons fait beaucoup d'efforts pour diminuer. Mais c'est la situation partout. Si vous allez dans nos pays voisins, vous verrez que les gens souffrent plus que les Guinéens. Comment mettre fin à ça? Ce n'est pas écouter ces ennemis de la Guinée qui ont échoué à nous empêcher de faire le référendum, qui viennent dire « la vie est chère, la vie est chère ».
rien ne se gagne sans le travail. C'est quand tu souffres pour avoir quelque chose que cette chose t'est utile. Alors, comment faire en sorte? Nous allons passer quelques mois difficiles. Il faut qu'on se dise la vérité. On va passer quelques mois difficiles. Nous devons l'accepter. Mais comment sortir de cela? C'est de développer notre agriculture, de développer nos usines, pour que notre riz ne soit plus acheté dehors avec des dollars, mais que ce soit du riz produit en Guinée. Que nos cultures maraîchères ne viennent plus de l'extérieur, que nos objets industriels ne viennent plus de l'extérieur, mais fabriqués en Guinée. C'est pourquoi j'ai transféré de l'agriculture et l'élevage à la présidence. Il y a un ministre délégué, mais je suis aujourd'hui le ministre de l'agriculture et de l'élevage. Hier, j'étais obligé de m'occuper de la bagarre politique avec ceux qui voulaient détruire la Guinée. Il fallait tout le temps être avec les gendarmes, les policiers, pour assurer la sécurité. Aujourd'hui, il y a la paix et le pays est stable. Donc, j'ai décidé de prendre les choses en main. De prendre l'économie en main. L'argent du pays doit aller dans les caisses de l'État. Non pas dans les caisses de quelques personnes pour eux et leurs familles. Les commerçants qui faisaient le fraude, c'est fini. Quand ils commandent une marchandise à Hong Kong à 1 million de dollars, ils viennent déclarer à la douane 200 000 dollars. Mais avec le guichet unique du commerce, nous connaissons le prix auquel ils ont acheté à Hong Kong. Quand ils disent 200 000 dollars, on vous dit non, 1 million. C'est ça qui est arrivé avec les vendeurs de poulet. Ils ont dit qu'on a augmenté la taxe, on n'a pas augmenté. Maintenant, la fraude n'est plus possible. Les fonctionnaires qui pensent qu'en dehors de leur salaire, ils doivent prendre l'argent de l'État, ça aussi, c'est fini. Maintenant, je connais très bien l'administration guinéenne. Je connais tous les trous où passaient, même où les souris passaient. Alors, j'ai fermé tous ces trous. Mais si je suis venu dans la maison de quelqu'un prendre son argent, est-ce qu'il est parti dans une entreprise prendre l'argent? Non. Quand on dit, le président a mis le pied sur le frein, mais je conduis le camion de la Guinée, je mets le pied, le frein, pour que le camion aille jusqu'à sa destination. Donc, il n'est plus question que l'argent du pays soit détourné par quelques cadres à leur profit seulement et de leur famille. Quand cet argent rentre dans les caisses de l'État, ça permet à l'État de développer le pays. Donc, qu'on ne dise pas, hein, le président a mis le pied sur le frein. Mais je n'ai fait que rendre ce qui revient au peuple de Guinée. Désormais, chaque ministre fonctionnaire a une feuille de route et un contrat de performance. Si tu réussis ta performance, on te récompense. Si tu ne réussis pas, tu ne vas pas dire, ah, il m'a enlevé parce que de Bokeh, ah, il m'a enlevé parce que de Fria, ah, il m'a enlevé parce que de Cancan. On t'a enlevé parce que tu n'as pas été capable d'atteindre l'objectif qu'on t'a fixé. Comme nous avons pu faire les élections en comptant sur nos propres forces, nous devons développer notre économie en comptant d'abord sur nos propres forces. Cela veut dire quoi? D'abord, cultiver. Nous allons beaucoup cultiver cette année, mais surtout l'année prochaine. Nous voulons qu'à la fin de 2022, la Guinée n'achète plus de riz dehors, qu'il n'achète plus de cultures maraîchères dehors. Donc, j'ai dit au ministre, au gouverneur, au préfet, tout le monde doit cultiver. Tout le monde doit cultiver. J'ai dit au ministre aussi,
de faire l'élevage, à commencer par moi. L'année dernière, j'ai cultivé 1400 hectares. Cette année, je vais cultiver 10 000 hectares. Et nous allons commencer l'élevage nous-mêmes. Parce que quand il dit à l'éleveur, il faut aller acheter de la nourriture pour nourrir ton bœuf, il va dire, mais pourquoi? Mon bœuf mange d'herbe gratuitement. Mais il oublie qu'il gêne les paysans. Mais si nous-mêmes nous montrons l'exemple, nous faisons l'insémination, et qu'il voit que notre bœuf pèse une tonne, et que son bœuf pèse 200 kilos, il va se dire, mais je vais faire comme lui. Alors, monsieur le maire, faites un peu d'élevage, l'insémination. Les Marocains nous ont formé des jeunes pour faire l'insémination dans toutes les préfectures où il y a l'élevage. Mais comme les éleveurs sont analphabètes, ils ne comprennent pas. C'est à nous à leur montrer en faisant l'insémination. Je suis parti en Ouganda. Les vaches en Ouganda font 28 litres par jour. 28 litres. En Guinée, vos vaches ne font même pas 4 litres. Je suis parti en Érythrée. J'ai vu que les vaches faisaient 30 litres. Et ils avaient une technologie venant de Bulgarie qui traite la vache. Le lait passe dans un tuyau et le cholestérol et toutes les saletés sont enlevées et le lait propre sort. Ce sont nos amis. Ils sont déjà venus. Ils ont été à Farana. Ils ont été à Dingraï. Car avec eux, nous avons décidé de créer une usine de sucre avec la canne à sucre à Bagnan. Nous avons décidé qu'ils participent avec nous aussi à la production de maïs. Nous avons fait un programme avec la banque de la CEDEAO pour produire 25 millions de poulets. Le bon poulet qu'on appelle le poulet bicyclette. Car nous importons 30 millions de poulets. Le Sénégal n'importe plus de poulets. La Côte d'Ivoire n'importe plus de poulets. Alors s'il plaît à Dieu, d'ici 3 ans, la Guinée n'importera plus de poulets. Nous ferons les poulets ici même. Mais il faut qu'on accepte de souffrir un moment. Personne ne savait que cette maladie allait durer tant. Nous avons fait beaucoup d'efforts. On a demandé aux gens de ne pas payer l'électricité, de ne pas payer l'eau. Tous les pays ont augmenté le carburant depuis longtemps. Nous avons dit, attendons d'abord. Tout ça, c'est pour diminuer les souffrances des populations. Mais il faut que je vous dise la vérité. On doit survivre pendant quelques mois. Mais c'est pour que nous ne souffrions plus que nous allons développer notre agriculture et l'agro-business. C'est-à-dire, nous cultivons, nous transformons, nous transportons et nous commercialisons. Ça, c'est la culture vivrière. Le riz, le fonio, l'igname, patate douce, etc., etc. Ce que nous mangeons. Mais en même temps, nous allons exporter notre ananas exporté aux États-Unis a été classé 9 sur 10. Et l'ananas venant d'Amérique latine a été classé 4 sur 10. Notre mangue a été classé 6 sur 10. Ça veut dire que nous allons transformer toutes les mangues de la Basse-Guinée, du Fouta et de la Haute-Guinée. Beaucoup de gens ne savent pas qu'il y a beaucoup de mangues au Fouta, c'est puriste. Mais tout ça va finir parce qu'on va les transformer et exporter. Pour que désormais, si la situation nationale est difficile, si ça ne joue pas sur nous, mais rien ne vaut la paix et la tranquillité. S'il n'y a pas la paix et la tranquillité, l'argent a peur, l'argent ne vient pas. Je vous défie d'aller faire un tour à Conakry et de passer dans tous les hôtels. Vous verrez que tous les hôtels sont pleins. Tous les jours, les investisseurs viennent.
Parce que la Guinée aujourd'hui est une destination attrayante. Dieu nous a donné beaucoup. On nous appelle scandale zoologique, scandale agricole. J'ai échangé avec le président Kagame. Il m'envoie du café arabica, des semences. Moi, je lui envoie les semences de riz. Quand il nous envoie arabica pour 1000 hectares, quand nous mettons en pépinière, et là, ça devient 2000 hectares, tellement que la terre de Guinée est riche. Quand les Indiens ou les Vietnamiens viennent, ils disent, mais comment, président, vous pouvez importer le riz avec une terre aussi riche? Mais si la terre est riche, si on ne travaille pas, ça sert à quoi? Et là, vous pouvez mettre maintenant 1 milliard ici. Vous partez 10 ans après, vous venez, c'est 1 milliard, il n'y a pas un franc en plus. Donnez un bâton à quelqu'un, il fait des petits trous, il commence à planter des maniocs. Au bout de 2 ans, il a un champ. Ça veut dire quoi? Que la richesse, c'est ça. C'est ça, la main qui travaille. La main qui travaille. Il ne faut plus accepter que des gens qui ne veulent pas le bien du pays poussent les gens à faire les manifestations. Mais pourquoi le pays est calme? Parce que nous avons décidé désormais que la Guinée, la loi va s'appliquer. La loi va s'appliquer. Quiconque viole la loi, quel que soit son grade ou son titre, il ira là où il y a la contine là. Donc, je suis venu vous dire que nous allons souffrir un moment. Nous sommes en train de nous organiser pour que la situation des Guinéens change complètement. Complètement. Cela ne plaît pas à tous nos voisins. Parce que beaucoup veulent voir la Guinée derrière. Mais je vous garantis que dans quelques années, il n'y a que le Nigeria qui dépassera la Guinée. Il n'y a que le Nigeria. Nous serons le deuxième pays économique en Afrique de l'Ouest après le Nigeria. Ça prépare tout le monde, mais c'est leur affaire. Voilà. Je m'adresse au peuple de Guinée. La Guinée est forée. Guinée à Nundimé. Faut en rendre Frère Omboribé. Du foré, au Mouna Kona à Bouma. Abara Dunia Bin Toro. Dune Bin Mouna Motoride, on a la Guinée de Moutoroma. Nous allons faire que Guéraba, à Koutou, Ndaraba Torela. Bré Moukona Serifima, Konakri. Et Mouté Serifima. Et Mouyé Serifima. Malé, quand il doit payer 400 dollars pour la douane, on leur fait payer 100 millions. Tout ça pour que le prix ne monte pas comme dans les autres pays. Mais il faut voir un rentinet, toi, elle est là. Il me fait dans ce nom, mais il t'aura mis une femme à l'âge. 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 Il t'aura mis une femme à Les femmes bébé, ah, on t'aura, on t'aura. Et n'y sera pas. Et n'y sera pas. Et bien, il finit le premier ministre là. Continuera, nous t'en sortons maintenant. Ma colombe, soit le voilier dans la colombe. D'abord, il canta fait. Ou t'en a un harangue. Ou bon, il a fait. M'aurai dit lui. D'embarras en affaire de l'air. On te fait naf, n'est-ce pas? J'ai dit d'un pays, pas d'un état. Nous sommes dans le trou. Jamais au Mouno, à quoi qu'un abad à nous former terre. Ou à quel est le dit, Washington, panier n'a rien sorti, basket, panier vide. Mais en 2 ans, on a pépité ce droit, on a donné de ma maman. Malheureusement, il y a beaucoup d'enfants. Malgré tout ça, on va à 6 réunions avec le Fonds monétaire. Et l'année dernière, parce qu'on a eu 7% de taux de croissance. On a eu l'Afrique qui est brillant.
Donc, voilà, la Guinée, ce qu'a fait, y a rien. Parce que n'y a pas de soucis, il y a très mouti. Il n'y a pas de ti. Maintenant, tu fais, quel fait que l'on fait pour qu'il y a, c'est 650 km. 650 km. Mais il y a des fers dans l'Ondia. Il faut Amazonie. Mais l'Amazonie, il y a un matin, il y a un matin, parce que l'Amazonie, il y a le poumon du monde là. Au moment où il y a un fer, Simandou, c'est 65% de teneur. 65%. Rien de tout ça, dans le mieux fou la hanne d'un gaffa. Mais, de renan en rouna, parce que moi là-bas, mon unifera, et ramine le bébé, Pierre Rabas, c'est 30%. Quand même, il y a un marché, il faut ramener le ballon. Kené, il faut que l'on fasse le coup, il n'y a pas la question de se faire la moulin. Tout, on va la contrat signer, Simandou 1 et 2. Et voilà, train, et voilà, rail, Wanifolo. Quel effet que Rouané, Hanfourkaya, ou Mana Mino, afin de faire des marchés. Mais je vais vous dire, je vais vous dire, mais à l'âge, on a arrivé à la Laïla, est-ce que c'est justement? Donc, on m'a mis une femme à marcher. La femme à marcher. Mais, nous avons, on m'a assez matifé, Naki, on a amené à Ramas Arabe. Winning et Almin Nabama. Nous avons mis le mot de Khadim Rabat. Mais, je vous préviens, nous ne voulons pas de centrale à charbon. Cette centrale sera à gaz, parce qu'il n'y a pas de charbon propre. Charbon, donc, nous avons mis un éléphant à l'homme où m'a donné la femme qui n'a rien. Tout, il n'y a pas il faut les nateurs, mais je n'en parle pas. Il n'a pas besoin de ça, à mini, congelé. Il n'a pas seulement mon épris, donc à mon canama. Ou moi, moi, sinon, ou moi, c'est dans la cala. A fini Founina, a fini Mangura, a fini Foundi Sendera, pomme de terre là, a fini Koura, a fini Yokara. On a bien intense en même année. Donc, voilà, on a un ordinaire. Mais nous avons un ordinaire à bord de s'il n'y a pas la paix. On a un ting, mais il va vouloir faire la roue. Bientôt, le courant de Kaleta va passer par Bouquet pour aller en Guinée-Bissau. Donc, c'est le courant de Kaleta que vous allez avoir. Parce que nous devons donner le courant à Guinée-Bissau, mais pour Guinée-Bissau, il faut passer par ici. Donc, donner le courant au Sénégal, donner le courant en Gambie. Donc, voilà, la Guinée, c'est qu'on a yaré. Tout, nous avons des séries à Cana, c'est qu'on a guéli. Nous avons des mouillettes, c'est qu'on a guéli. La Guinée, c'est qu'on a cobri, peuple n'a qu'à cobri à mais il y a un grand-mère lorsque vous voulez faire la ouverture, même pas la faire la winning,
Kembala est félicité que Mounia Lengui. Bambala a constaté que Evangoke Tongouba Konakrine, Haï Haya Tongoube, on a dit qu'il faut d'abord favoriser la population locale. Ça, il faut qu'on rectifie. Parce que Rubena a oublié l'antoroma, a oublié l'antoroma. A filindé, dès la cadre là, et ma homme d'affaires là, Namoulama, c'est conflit d'intérêts. Mbala Felebe, Frère Adam. Et on a fait un contenu local, Nana Kikine, au contenu local de la Chine et Naira, Namouti Manama, Mbala Felebe. Contenu local, bing, Guinée Nara. Guinée Nara. Pas mes beautés. Nathan, faut se terminer bien quand il n'est pas. Mais, quand le gouvernement contrôle, faut que la société fasse contrôler les nains. Dans la banque africaine, Bad Mohoni, et la cabinet où le recruté fait, dans les femmes, minier contrôlé, et banque contrôlé, et société d'assurance contrôlée, à une société de télécommunication. Parce que maintenant, quand il y a la paix, il y a la stabilité, tout le monde vient. Parce que, à la Oumaléri, à la Ting, on a guéri de 2022, ha, moi la raha oumare salama fare masono, ha la ding. 2023, on a mati borema, ha la ding. Fara nan fara de obé. Boke chance na obé, puisqu'on va faire la zone économique. Menga fara obé. Gouvernement Haboki, noura la soumane. Ina tungu noura la soumane. Ha mer gouvernement Haboki mati noara soumane. Ha préfet mati noara soumane. Il a bangi ti gouvernement Haboki noara bangi kalamane. Mais ha ratit fonse de ira non ha ra bangi kana nuri andam de mane. Kene ha lun yende yende mere famene ni do koyele koyi. Ba ba Haboki bi mati alors que mona mara mati. Nafan non la loi foncière qui n'est pas refait par le Parlement. Alors que le salaire est à l'eau, la Guinée. Fait ma salaire à mon roi. Que n'est pas qu'il m'a salaire à mon roi. Que n'est pas qu'il m'a salaire à mon roi. Que n'est pas qu'il m'a salaire à mon roi. N'a pas qu'il m'a salaire. Wallahi, n'a pas qu'il m'a salaire. N'a pas d'empa, il n'a pas foutu ya. Nathaniel Monet. Nous voulons la loi votée. Habak Nana, il a un nouveau assertiment, amende. Nere, produit avaré, Salama, Matima. Nous voulons la loi là-bas. C'est qu'il y a un produit avaré, nous avons pris la race au piqui. Nous avons pris un continuum, nous faisons un amende double, c'est parce que, donc c'est. Kanaki, ça fait minimum, crime n'a pas. Donc, voting ou mouting, ou bien masalamane, ou bien masalamane. Banna ou rambula. Mala si bien tombe la guerre. Tout, c'est mon nom, ma. C'est mon nom, ma. Mais, moi, la politique, je suis fait. Ah, mon économie tombe. Et tu es mouting, voilà. Hala, naha, nubili nala, hamuna, président nala. Faut être un ma que la victoire a beaucoup de pères, c'est la défaite orpheline. Awambara, marab sansabu tongo. Mirio, miri, pagayraba, watumbara, garde forestier, mbara licencié. Sous-préfet, rambanana, mamou, farana, gawal, manjana, nous fa licencié manen. Ensuite, nous faisons enquête là-bas. Rebelagana Ayama, et bien ça va venir. Il y a mon nom Loudé, sous-préfet, ou bien garde forestier, Mire Wurimaba, il y a mon atouri. Donc, nous avons fait la Mire Bilimbe.
nga fara birim be na pakay bar ñom ma fara ne hotel Sheraton company mëna mbé bare yi mëna mbé company mbare yi da gini na man na fara birim be na nek yi ni company da ba fi di mbare yi ba yi sari ya kana awa da fa na nek donc je félicite beaucoup Winning. Je suis très heureux ce que l'imam a dit. Autant finir ma sécurité là. Autant finir ma garde là. Oulama wa ramene ma. Nana ba fria nana raba. Khadire neira. Imenemanama. Nana rema a moma. Donc, on a un falarina wa rambira. Khaouna raba. Oulara, c'est ce mot la génératima. Guéfan, Ouracrom, tout, on a fait la parité dans la Constitution. Imirat Difima, Khametasron, Khamounev, Founusolma Sarandiri. Excision, Nafamounasron. Guéfan, on va faire Nafamounasron. Khali Ramori, il est bon, il est bon, plainte portée à contre, parce que c'est la Constitution, oui. Guéfan, on a garo ce nom. Guéfan, Tam Mara n'a pas gagné ma. Voilà, la mère, ben. Anna Ragine Bombo, n'a pas plein de poids à compte. Nana, le droit cuit. Où tu vois, Nana. Kabakou Nana. Arrête de finir Guinéra, parce que le président Guinéra m'a dit fait. Non, il n'a pas dit fait. Maintenant, il a acquéré ce maire Iraya. Ah, malgré le barfou, il n'a pas fait. Il a acquéré ce maire Iraya. Ah, ben, deux semaines, ma moribé. Deux semaines, ma dibé. Il n'a guidé Mali, il n'a pas de Mali. Donc, voti, nous vous sommes bien filmés en Guinée, ma, en Undimé. Bah, il y a un tour de Guinée, il y a des soldats. Vive la Pilon. Vive la population de Bokeh. Vive les sages de Bokeh. Vive les femmes. Vive les jeunes. Toutes mes félicitations au corps administratif. Mais, je vous préviens, vous êtes là pour garder les biens de l'État. Si vous vendez même un mètre carré, vous le trouverez à Corentin. Merci. L'honneur est ainsi revenu au président de la République de couper le cordon inaugural pour officiellement lancer la mise en service de ce chemin de fer sans tout d'Apilon, avec une distance de 125 km. Il comprend au total 21 ponts apôtres, 11 échangeurs routiers, 128 ponceaux, pour un total de 14,68 millions de mètres cubes de terrassement, dont 6,23 millions de mètres cubes de remblai et 8,48 millions de mètres cubes de déblai, comprenant deux tunnels, totalisant une longueur de 4,72 km. Les travaux de construction du chemin de fer Santou d'Apilon ont débuté le 29 mars 2019. Deux ans et quelques mois après, cette infrastructure ferroviaire voit le jour à la satisfaction des Guinéens. Un bel exemple de coopération gouvernement guinéen SMB Winning réussi dans un esprit de solidarité. L'Institut national de la statistique est un établissement public administratif placé sous la tutelle technique du ministère du Plan et du Développement économique. Il a pour mission la mise en œuvre de la politique du gouvernement en matière de production et de diffusion de l'information statistique. En application des dispositions de la loi statistique du 8 juillet 2014 adoptée par l'Assemblée nationale et promulguée par le président de la République, chef de l'État, professeur Alpha Condé, l'Institut national de la statistique est le fournisseur public officiel des statistiques en Guinée.
À ce titre, la Direction nationale de la statistique érigée à l'Institut national de la statistique, INS, a réalisé avec l'appui technique et financier des partenaires au développement trois recensements généraux de la population et de l'habitation respectivement en 1983, 96 et 2014. Cinq enquêtes démographiques et de santé en 1992, 99, 2005, 2012 et 2018. L'Institut national de la statistique produit chaque année les comptes nationaux qui permettent de déterminer le taux de croissance réel de l'économie nationale au cours d'une période donnée. L'Institut national de la statistique produit annuellement l'annuaire statistique élaboré à partir des données produites par l'INS et les